Bonjour à tous, c'est BonnieBress71 et on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play de Rayman 2 The Great Escape. Donc nous allons attaquer la clairière de la fée, donc 50 lumes à trouver ainsi que cette cage, et c'est parti mon kiki. Mais bon, merci Murphy, hein, je m'en fous de ce que tu me racontes, moi je veux jouer. Presse A pour sauter, merci, je m'en fous. Oh ta gueule, allez. On va les libérer, l'île a fait. Elle est enfermée, merci, je le sais. Monsieur Pizetre me l'a dit la dernière fois, on y va. Mais sinon, je suis un peu enrhumé, c'est pas très grave. Et ça démarre de suite. Donc, de mémoire, les niveaux étaient plutôt longs. Donc là, ça c'est pour se barrer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, il n'y a rien. On sait jamais, il aurait pu y avoir un loot de cachet. Alors, est-ce qu'on peut aller dans la flotte? Pour nager, utilise le stick. Pour plonger, presse Z. Pour monter, presse A. Alors, c'est quoi Z? Parce que. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça. Okay. Voilà. On va peut-être suivre le chemin classique parce que là, sinon, on va se perdre. Alors, ça, c'est quoi ce champignon? Ok. Premier loops. Alors comment on recadre la caméra? Non, papa. Ah merde. Ça commence mal. Ça n'avance pas beaucoup là. Bon. La mode va pas super vite. Allez, on s'accroche. On va essayer de récupérer un maximum de loops. Tout en allant plutôt vite, hein. Franchement, je crois que ça s'éternise trop. Mais bon. Alors, c'est quoi ce bug là? J'entends le bruit d'une cage. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce que j'ai raté quelque chose? J'entends le bruit d'une cage. Bon, on va dire que c'est le bon chemin. Je suis bon, on fait une roulade. Ça va, le jeu a pas l'air de trop ramer. Il y a de déconseiller, merci du conseil. Les décors peuvent paraître un peu vides, mais non, franchement, ça va. Honnêtement, c'est quand même assez beau pour la Nintendo 64. Honnêtement, j'espère que je rentre pas trop. C'est quand même plutôt maniable, c'est ça qui est bon. À part quelques petits problèmes de caméra, c'est quoi ça? Ok, j'ai ouvert une porte. Bon, bah, en fait, c'était le bon chemin. C'est rassurant. Et la musique a changé. Et toujours ce bruit de cage. Je sais pas si vous l'entendez comme moi. Et j'ai un bruit de cage. Ouais, je suis pas allé au bon endroit là. Ah non! Quel abruti! Ouais, j'ai géré mal. Putain, faut tout que je me refasse le chemin là. Non. Putain, ça commence bien là, du bon Rayman d'entrée là. Ouh là 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 là. Le grand méchant. Mais donc, comme je disais dans le premier épisode, les niveaux sont longs. Par long, j'entends, je pense, 15-20 minutes par niveau. Donc c'est quand même pas mal. Et ça, c'est quand on y arrive assez bien. Hein, parce que je me rappelle, il y avait des niveaux qui étaient plutôt casse-couilles. Bon, allez, c'est bon, il n'y a pas à bouffer. J'essaie de ne pas me recasser la gueule cette fois parce que bon, ça fait un peu pitié de devoir se retaper le chemin.
Et on est déjà qu'au premier niveau, si d'entrée je vais à des sauts super faciles, ça va pas trop le faire. Hein. Bon, doucement cette fois. Ah bah la cage était là, ok, bon. Ouais. La caméra au secours quoi. Il y avait un autre lobs. Ouais. Mais c'est bizarre, c'est des lobs rouges qui redonnent de la vie ça, ils sont blancs chez moi. Ok bon, je sais même pas ce qu'il veut me dire, on y va. Donc ça c'est un lobs de sauvegarde. Mais pourquoi ils sont pas verts chez moi, putain, ils sont bizarres, une couleur de merde. Ok, un piaf, on peut le dégommer, piaf. Oh putain. Bon, l'épreuve de caméra. Alors, est-ce que... il y a vraiment des loops dans l'eau? Ah oui, il y en a plein. Putain, c'est le toxique, ok, nice. Bon, on se posera pas la question s'il faut aller dans l'eau ou pas. Putain, le jeu rame par contre, c'est chiant. Il faut s'accrocher aux pierres à mon avis. Mais putain! Putain, mais c'est vraiment catastrophique là. Holy bug. Alors attention, on va essayer d'y aller. Putain, mais c'est quoi ces bugs? Oh putain. La caméra, c'est vraiment de la merde. Hein. Ah, je suis trop loin. Il va chier. Putain, que ça commence mal. On va dire c'est parce que je suis en vie que je vois là. Circonstances atténuantes. Peut-être qu'il faut enlever le truc polluant pour pouvoir aller dans l'eau, oui c'est ça. Bon. Bon là ça devrait passer normalement. Alors ça commence à se manier. Ah c'est cool, ça bouge tout seul. On va récupérer 2-3 lums. Ouais, y a des problèmes de son. Le jeu doit ramer un peu parce que j'ai pas vraiment de musique géniale. Hein. Ah oh, mais c'est même pas des lumps. Ah si d'accord. Il n'y avait qu'un seul vrai lumps en fait, c'est vraiment de la merde. Ah, faut vraiment que je change les paramètres hein, honnêtement. Allez on continue notre périple, un peu plus sérieux. Je me rappelais pas que les niveaux étaient quand même aussi vastes. Mais bon, heureusement, il y a quand même des checkpoints parce que quand on tombe. Enfin, le jeu rappe quand même pas mal. Hein. Donc, la deuxième partie. Bon, il y a des bugs de caméra parce qu'on voit des trucs vachement loin. Quoi ça? Ah
Mais c'est sympa, le gameplay est quand même pas trop mal varié, je trouve. Puis ça change quand même de Mario, de Donkey Kong. C'est quand même pas mal. Alors là, il faut aller où? On va aller là. Par contre, c'est la caméra. J'ai vraiment du mal. Hein. J'ai vraiment du mal avec ce putain de caméra. Ah bah, cette fois, les lobes, ils ont leur vraie couleur. Ouais, tant mieux. Hein. À la bonne heure. Ok, je retire tout ce que j'ai dit. Ah. Help! Ok, ils sont là, eux. Ok, voilà, j'ai pas d'autre choix que de m'accrocher là. On va essayer d'éviter le poisson. Ouais, c'est bon. Voilà, Rayman s'accroche bien. Allez. On va essayer de récupérer la cage qu'on a vue tout à l'heure. Alors, la question c'est comment on y va? Ah, la caméra c'est vraiment pas ça. Hein. Oh là là. Quoi ce truc au bout? La question que je me pose c'est que est-ce qu'on peut avoir tous les lobes d'un coup? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'on ait certains pouvoirs avant d'en revenir? Ça c'est une question que je me pose. Parce que je crois que dans le premier Rayman, on n'avait pas tous les pouvoirs d'un coup. Et oh putain, je recommence là, mais non. Parce que genre cette caisse là. Je vois pas du tout comment on peut l'avoir. Donc, est-ce que les 50 lumes c'est possible direct ou pas? Je sais pas. Si vous savez comment est fait Rayman 2, à savoir si on peut, dès qu'on arrive dans un niveau, vraiment tout faire à 100% la première fois, ou est-ce qu'au contraire il faudra revenir plus tard. Et si vous le savez, bah, laissez-moi un petit commentaire sur ça. Ça m'évitera, je pense, de chercher des trucs pour rien. Et ça sera cool. Merci beaucoup. Donc là, bah, vu que la cage, je peux pas la choper, manifestement, bon, on va continuer, on sait pas. Ça sent le gros score pathétique, quand même, parce que là, 5 lubes, c'est une cage, en 10 minutes de jeu, c'est quand même pas terrible. Oui, il se passe quoi, là? Ah, là, je me rappelle de ce passage. Premier pirate du jeu. Bien moche, d'ailleurs. Mais putain, pourquoi je lance des points, des trucs bleus maintenant? Mais c'est quoi ces bugs graphiques là? Oh! Allez, vise-moi ici, toi. Je sais pas, il y a un pansement par terre, donc faut peut-être qu'il vise là. Oh oh! C'était un passage secret, quel talent! Quel talent, j'ai envie de dire! Ah, mais le jeu a des problèmes graphiques, hein. Est-ce que ça vient de la robe? Probablement, probablement, probablement. Donc là, on va essayer de pas tomber comme une merde. Et c'est là que je vous disais, les niveaux sont vraiment très longs. J'ai débloqué quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, je vais attaquer par l'autre pecto maintenant. Alors, c'est des dalles. C'est sympa ce petit. Bon là c'est pas trop trop dur, franchement c'est le premier niveau. Hop là. Oh le gros sparadrap tous les. Oh c'est moche. Oh je me rappelle cette musique énorme. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment des bugs de son. On se retrouve, j'ai l'impression que dans un décor familier. Attention, il y a plein de pirates dans le coin. Tu risques fort d'avoir en affronté un. Au combat, déplace-toi en pressant Z, ça te permettra de grâce de venir au jeu et esquiver ses tirs plus facilement. Thank you!
Ah bah, se disant que ça permet d'esquiver. Bon, c'est un lock à la Zelda, on va dire, hein, c'est pas trop mal. Ah, les connards, elle fait mal quand même. T'es mort. Ah merde, on peut pas détruire ça. Il doit y avoir une bombe ou quelque chose dans le coin. Après, je pense qu'il faudra lui balancer dessus, ça lui fera de méga dégâts. Mais là, avant, j'ai vu une petite porte sparadrap, donc on va y aller. Et par contre, ces questions, c'est comment qu'on lance le truc? Comme ça, tout simplement. Ah bah, une cage, cool. Ah, 5 clubs d'un coup, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Ça remonte un peu le moral. Parce que le score était quand même assez minable, soyons clairs et nets. Je fais pas une grande partie là. Allez, on va lui le balancer plein dans la gueule. Ah merde, il m'a vu ce con! Allez, boum! Et mort d'un coup. One shot, pardon. Ok, bon là, faut aller par là. Il va vraiment doucement la manne sur ce filet là. Et mais les lumps ils sont bleus quoi, mais c'est vraiment un bug là, c'est pas possible. Il va y en avoir encore un logiquement. Non même pas, bon. Soit. Saloperie! Ah mais merde, oh! Voilà. Ok. Ça détruit pas ça, putain. Oh, lui, il a pas beaucoup de vie. Lui, il va creuser rapidement, je crois. Ah merde. Bah, bim. Donc là c'est bon, le petit détour valait le coup, hein, était nécessaire à la progression du jeu. Donc là on continue, donc c'est un niveau quand même assez tranquille, il n'y avait pas beaucoup de trucs pour l'instant. Et c'est quand même le premier niveau du jeu, il est quand même assez long je trouve. Là d'entrée, les développeurs nous montraient que le jeu était quand même assez long. Allez, faut pas me faire électrocuter, joli. Donc là il n'y a pas encore pas trop de situations où je peux me gueuler. C'est quand même plutôt facile, hein. Pas de rage excessive. Ouais, à mon avis, on peut pas tout avoir du premier coup, c'est pas possible. Allez, parce que je pense qu'il faut avoir un luxe qui me permet de nous transporter, je sais plus comment ça s'appelle là. Ah, il y a Lee, la fille, qui est prisonnière. Libère-moi, Rayman. Trouve la machine et détruis-la. Ok, ça roule. Rayman the Slave. Voilà la machine. Avec les trois grosses paradraps bien visibles. Ah mais il me suit ce con. Mais il me suit. Bon moi dans... Eh non mais... Ah il faut peut-être poser le tonneau. Et quand tu le poses? Faire un test. Pas comme ça en tout cas. Ah ok, c'est un jeu de jonglage. On soulève, on tire, on reprend. Ça roule. On soulève, on tire, on reprend. Et on balance. Et ça fait 1. Hop là. Non, c'est, ça va. C'est faisable. Et j'ai envie de dire tant mieux. De toute façon, hein, dès le premier jeu, le premier niveau, on n'allait pas quand même être
quand même abattu par une difficulté excessive. Non, non, franchement, c'est largement faisable pour le moment. Donc là, ça fait 2. Bon, une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment facile. Hop là. Bon, là, j'ai eu un peu de bol parce que franchement, le point il partait n'importe où. Il partait sur le pansement et j'ai eu de la chance qu'il revienne. Ah, par contre, là, est-ce qu'on peut se faire électrocuter par la. Oh, c'est bon. Taille pas trop! Donc là normalement Lila Fee is free. Et on a la petite musique de Lila Fee. Donc j'ai envie de dire que c'est du tout bon pour la Mireman. Bravo Rebel. Lee, ça va? Rebel, enfin, je craignais que le Globox n'était échoué. Il m'a donné un luxe d'argent auquel on a été séparé. Il faut que je le retrouve et que je chasse les pirates. Et pour cela, j'ai besoin de mes pouvoirs. Je suis trop faible pour te rendre toute ta puissance. Bon, ok, tu sers à rien en fait, hein. Allez, retourne, je te remets dans ta petite prison pourrie là. Les pirates ont brisé le cœur du monde en 1000 lups. L'énergie est devenue très difficile à réunir. Mais il y a peut-être une autre solution. As-tu entendu parler de Polocus? Non, monsieur. Bah non, franchement non, honnêtement non. Il est l'esprit du monde, sa puissance est gigantesque. Il pourrait t'aider à battre les pirates. Malheureusement, il s'est retiré il y a bien longtemps. Bon bah génial, c'est une solution qui... tombe dans l'eau quoi, une solution mortenée. Mais une légende raconte qu'on peut le faire revenir en réunissant les 4 masques. Les masques de Majora ou pas? Les 4 masques. Il s'agit de masques magiques très puissants. Ils sont cachés en des lieux secrets et mystérieux. Trouve les Rayman, fin de dernière chance. Afin de t'aider, voici toute l'énergie que j'ai pu réunir. Yahoo sur moi. Ah non, c'est yeah Rayman. Bonne chance Rayman. Et là, il y a vraiment des bugs graphiques, c'est pas possible quoi. Et bah voilà les lobes violets. Et bah il faut refaire le niveau parce que je suis sûr qu'à un moment il y a des lobes violets. Donc c'est bien ce que je pensais. Les niveaux, on peut pas les faire en une fois, ça. J'ai presque envie de dire que c'est dommage parce que bon, moi ça fait chier d'en refaire le niveau pour en faire à 100% quoi. Mais bon, choix des développeurs, hein, on ne peut que respecter. Hein. On ne peut que respecter et on ne peut juste marquer sa déception quoi. Moi ça me fait chier d'en refaire les niveaux quoi. Ils sont faits quoi. Enfin bon, c'est dommage d'avoir à les refaire, c'est tout. Alors je suis dans la bonne direction ou pas là? Ouais. Et j'ai vraiment pas beaucoup de lups, hein. Franchement c'est honteux. Et pourquoi maintenant je tire des lups noirs? Non mais c'est n'importe quoi ce truc. Oh mais faut arrêter quoi. Après les lups bleus, les lups rouges, les lups noirs, normal. Mais ça c'était un lups. Putain mais tu les vois même pas. Mais comment je peux finir le jeu à 100% quoi? Si en plus je vois même pas les lups quoi. Et c'est vraiment une blague hein. Alors il faut ouvrir l'œil mais deux fois mieux que d'habitude. Alors déjà que je suis mis en rond comme pas possible. Si en plus on me fout des lumps noirs sur du décor noir, ça va vraiment pas le faire quoi. Ouais, si vous voulez que je... Ouais, alors lui, mais fallait le voir aussi lui. Hein. Ouais, si on veut que je faille, y a pas de souci. Hein. À tous les coups, il y avait un lumps de l'autre côté. Enfin, bon, bref. Allez, t'es mort. J'ai récupéré quelques lups. 21, je suis presque à la moitié. C'est pas mal. Il en manque encore un petit peu, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. On y croit. T'as les niveaux cash, par contre, j'ai vraiment rien, quoi. Mais les lups noirs, hein, mais il manquait plus que ça, quoi. Je suis Dark Rayman, je tire des lups noirs. C'est quoi ces tourbillons là? Eh mais j'ai encore le Gugus qui me crie help là, putain!
Arrêtez de crier help tout le temps. Ouais, ça va des tourbillons, faut aller tout foutre dedans, quoi, en hélico. Oh, mais Murphy, j'ai pas envie de te parler, tu fais chier. Ouais, oui, je les vois, ces courants d'air, allez, hop, merci. Je suis pas débile. Ah, ouais, maintenant ils sont rouges, le coup. Putain, y'en a en dessous là. Magnifique ça. Bon, même si j'ai pas beaucoup de lobes, je vais quand même essayer d'en rattraper un maximum parce que. J'ai quand même envie d'avoir un score décent, hein. J'ai pas envie de passer pour un gros mauvais là. Allez, dépêche. Eh oui, je t'entends, help, ta gueule. Voilà, ça c'est beau, 24. On est presque à la moitié. Alors là, il faut aller où, ok. Là. Voilà, celui-là, je pense, il est plus près. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bon, on l'aura sous bien au milieu. Voilà, 25. Je pense qu'un joueur très bon, il en aurait 40. Hein. Mais bon, peut-être avoir pas tous les secrets aussi. Hein, c'est. Ah, mais lui là-bas, il doit avoir un luxe. On va y aller. Même si, à mon avis, là, on perd du temps. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas dedans. Oh putain. Voilà, 27. Allez Rayman, on accélère un petit peu. Sois gentil. Ouais, ça devrait passer normalement. Ça passe. À la caméra, j'ai vraiment du mal, hein, franchement. C'est pas ça qui est ça. Attendez, je vais vraiment me mettre au sommet là. Voilà, je vais me foutre là maintenant. Allez, dépêche, je vais pas la voir, je vais pas la voir. Ouais, j'ai même eu slump, c'est parfait, 28. Bon, par contre, ce passage est peut-être sympa, mais il est un peu long. Hein. Putain. Mais oui, je t'ai entendu crier à l'aide. Je suis pas sourd. Ah ouais, il y a deux lums là. Oh, j'ai 30 lums, c'est honnête, franchement, c'est honnête, c'est honnête. Par contre, celui-là. Allez, plus vite, Rayman, t'es lent. Que c'est mou. Oh lolo, allez. Oh putain, j'ai cru qu'il allait pas se rapprocher. Putain, je vois rien de ce que je fais. Voilà. Brise les cages, leur énergie te rendra moins vulnérable. Ah bon? Je veux dire quoi ça? Ah là, je dois être à la fin du niveau là. Parce qu'il y a la petite musique petits êtres. Et on a le petit Gugus petits êtres. Donc on est à la fin du niveau là. Mais c'est quoi cette danse minable? Ouais, c'est la fin du niveau là. C'est la fin du niveau! Sur un score vraiment naze, hein, mais bon. C'est le premier niveau, hein. On va être indulgent avec moi. Hein. Je vais être indulgent avec moi-même. La claire de la fée. Ah, j'ai quand même plus de la moitié, ça va. Bonus level access denied. Ouais, ça veut dire qu'il doit falloir tout cliquer, j'ai tous les luxes. Appuie sur A pour continuer. Oui, j'appuie sur A pour continuer. Et oui, je vais appuyer sur A pour sauvegarder aussi. Voulez-vous sauvegarder? Oui, la partie est sauvée. Avec succès, j'appuie sur le bouton A pour continuer. Et le prochain niveau s'intitule les marées de l'éveil.
Et nous verrons ce qui se trame dans ce niveau dans le prochain épisode du Let's Play de Rayman 2 The Great Escape. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao à tous.